Wesh les gars, c'est Monsieur, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, les frérots, vidéo particulière. Parce qu'on se trouve pas un petit squad builder, voilà. Donc un petit squad builder, une équipe très originale, les frérots, voilà. Une équipe très très originale. Et avant cette vidéo commence, les gars, n'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir, les gars, voilà. Faut vraiment qu'on arrive aux 800 le plus vite possible, donc si vous pouvez m'aider, ça me ferait super plaisir, les frérots. Donc voilà, les gars, aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur une vidéo squad builder. Je suis content, mettez votre petit pouce bleu et c'est fini pour vous, voilà, ça me fait vraiment super plaisir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. En tout cas les gars, on va commencer tout de suite. Et voilà les gars, c'est une équipe turque vraiment très très originale, voilà. Les turcs c'est toujours original, donc voilà, j'ai fait une très belle turque, les frérots. Donc au coup, on commence tout simplement avec Fernando Muslera, voilà, une très très belle carte, voilà. Je pense que vous le connaissez tous, c'est vraiment très connu, Fernando Muslera. Il a fait la coupe du monde et tout, voilà, Muslera il est très très fort. En défense, on a Gökhan Gönül, voilà, 83 de vitesse, 72 de physique. Après, on a Aziz, 75 de vitesse, 80 de physique. Voilà, il est vraiment bon, il manque un peu de vitesse, mais vraiment, voilà, 75, c'est vraiment pas mal pour 80 de physique et 1m83. Après, on a Martin Skrtel, l'ancien joueur de Liverpool. Voilà, je pense que vous connaissez, il y en a beaucoup aussi qui le connaissent. Après, on a Adriano. Donc, Adriano, il a 5 étoiles de mauvais pied. Il a une carte avec 71 de vitesse, 71 de physique, 80 de dribble. Voilà, l'ancien joueur de Barcelone, je pense que vous connaissez aussi, les frérots. Après, on a Torge Arslan, je sais pas, 75 de vitesse, voilà, 71 de physique, il a une belle carte pour AMC. Après, on a Talisca, les frérots, voilà, Talisca, il a failli mettre la sodomie à Lyon en Ligue Europa, je sais pas si vous vous rappelez, mais en tout cas, voilà, sa carte TOTT, il a une vraiment très très belle carte, 79 de vitesse, 85 de tir, c'est vraiment super super. Après, on a Oz Yacoub, voilà, 4 de geste technique, ça fait vraiment super plaisir. Après, on a Ricardo Cosmera en boost, même si je l'aime pas trop dans la vraie vie. Voilà. J'avais besoin d'un très très bon joueur en cette équipe, tu nous vois. 50 000 crédits. Après, on a Wellington Suarez de Moures, voilà, 93 de vitesse, 74 de physique. On a une très très belle carte. Et après, on attaque sur le buteur de l'équipe. Donc, le buteur, c'est un joueur qui vient d'arriver sur FUT17. Voilà. C'était mon joueur préféré avant. C'était vraiment un des joueurs préférés que je kiffais. C'était pas mon joueur préféré, mais voilà, quand il était à Newcastle, je l'aimais vraiment beaucoup. Il était super fort. Et voilà, donc les gars, tout simplement, c'est Dembaba. Donc, j'étais obligé de le mettre dans cette équipe parce qu'en fait, j'ai fait une turque tout simplement parce que c'était pour Dembaba. Parce que ce genre-là, je me rappelle quand il était à Newcastle, c'était pratique. Je crois que je me rappelle plus, c'était le meilleur buteur de BPL. Après, il est passé à Chelsea. C'est lui qui a éliminé le Paris Saint-Germain. D'Alex, Samuel Eto'o contré par Christophe Jallet. La frappe d'Azpilicueta. Et but. Ouais, but de Dembaba. Voilà, 70e de tir, ouais, 67 de physique. Il n'a pas la meilleure carte du monde, mais voilà, j'étais obligé de le mettre parce que voilà, il est vraiment super fort. En tout cas, je vous propose de regarder l'équipe en elle-même. Vous avez vu que c'est une équipe vraiment très très lourde, les frérots. Voilà, pour 100 000 crédits, une équipe très très originale. Donc, tout simplement, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit match avec cette équipe et voir ce qu'elle donne dans un match. Ah oui, Quaresma. C'est bien vu. Oh là là. Oh là là. Adriano. Oh non, les gars. Première occasion. Bah, on n'a pas encore tiré, mais bah, première occasion franche. Vraiment, là, j'ai cru que j'allais pouvoir marquer. Attention au contre. Attention au contre. Oh, c'est bon. Dembaba. Pour Quaresma. Quaresma. Non. Allez, Dembaba, il a mis. Voilà les gars, 1-0 à la 7ème minute, Dembaba. Quel est ton secret? Ouais, laisse-moi deviner. Tu n'es pas un homme, t'es trop infini. Avec le sourire, si ces chiens agonisent, qu'on les laisse mourir. Je suis hypocrite même dans mes fous rires. Je veux que ma descendance trouve de quoi se nourrir. Dembaba. Oui les gars, 3-0 et 3-0 et Dembaba. Mon joueur préféré qui est revenu au Besiktas. Dans le droit de Chine avec sa grosse blessure, les gars. Donc, vraiment, ça fait super plaisir, les gars. Et 3-0, et les mecs, on lui met la sodomie. Pourquoi ta déco de la PlayStation? Il faut pas wager, faut pas wager. Pourquoi ta déco de. Comme voilà, les gars,
Même si le mec est rachetable, j'espère que cette vidéo vous a pas en plus. C'était une vidéo courte, les gars. Donc voilà, je vous ai présenté l'équipe. On a fait même pas un match parce que le mec il a rachetable. Mais en tout cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Ça me fait vraiment plaisir, les gars, pour augmenter la chaîne. Donc les gars, n'oubliez pas votre plus beau pouce bleu. Allez, c'était monsieur. Ciao. Ciao.